Quelqu'un m'a volé ma doudou, t'imagines? Les sous-doués passent le bac. C'est vieux. Et l'autre, c'était le flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy, quand j'étais jeune. Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Ça, je pouvais le voir en rafale. Ça passait souvent à la télé. Quand j'étais petit, c'était Michael Jackson. Je savais que je voulais être un artiste, mais je ne savais pas quel genre d'artiste. Mon animal préféré, j'en ai eu plusieurs parce que mon père et ma mère ne voulaient pas qu'on ait de chien ni de chat, donc j'ai tout eu. J'ai eu des lapins, des tortues, des poissons, j'ai eu une grenouille fluo. Peanut, je vous explique pourquoi, parce que vous vous dites cacahuète, mais arachide, au Québec, on dit arachide. Donc une arachide, cacahuète, peanut. Peanut qui est le mot anglais de cacahuète. Donc on m'appelait Mr. Peanut. Je mangeais des claques. Je me faisais intimider. Mais après l'école, qu'est-ce que je faisais? Je jouais à Miami Vice dans ma cour. C'est une vieille télésérie. C'était deux flics, un blanc, un noir, de Miami. Et voilà, on jouait à Miami Vice dans la cour avec nos petits fusils pistolets en plastique. C'était tout ce qui était dans les exposés oraux. Tout ce qui avait rapport avec... Même au lycée, j'avais un cours d'art dramatique, tout ce qui était impro, tout ce qui était théâtre. Le reste, l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai coulé, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'expérience. Oui, j'en ai une que j'ai perdue à l'épicerie et j'ai fait faire... J'ai fait retourner ma mère aller chercher, voir, on a remis l'épicerie à l'envers. Quelqu'un m'a volé ma doudou, t'imagines? Normalement, elle devrait être là. Ou ils l'ont juste jetée, puis ils avaient honte de nous le dire, mais... Et j'ai pleuré, j'ai pleuré,